Ah, nous revoilà, chérie, ça a coupé. Je n'avais plus d'espace libre sur mon disque dur, ce qui était ballot. J'ai dû désinstaller un jeu formidable. Je suis très triste, mais voilà. Donc je disais, Légion de fer absolument idéal pour le roleplay d'un chat-mignon ingénieur, absolument. Je marche aux côtés des machines de guerre, voilà. C'est nous qu'on a déclenché la révolution industrielle, voilà. Que demande le peuple? Nous allons donc faire partie de la Légion de Fer. Alors, je mourrai pour ma troupe, surtout pour mon partenaire. Alors, Mavok est le meilleur combattant en duel que j'ai jamais rencontré. Alors, toi, tu me fais chier. Uriel? Notre élémentaliste, non, tapette. Vivantail laisse ses armes parler pour lui. Il est désespérément calme et silencieux, même pour un voleur. C'est un voleur, quelle horreur! Alors, on va prendre Dinky. Parce qu'en fait, il s'appelle Dinky. Et quand on s'appelle Dinky, c'est qu'on a un problème dans sa tête. On manque une petite case, hein, disons-le. Donc, ah bah oui, voilà, c'est dans la description. Il se fait malmener avec une énorme faute d'orthographe, car c'est un gardien et il n'est pas très intelligent. Voilà. Donc, je mourrai pour mon petit Dinky. Absolument. Et on raconte que mon père est un chaman maléfique. Non, un brave soldat. Oh, c'est chiant. Un gladium déshonoré. Alors, bah du coup, le chaman maléfique, c'est pas si chiant. Donc, ouais, on va être un ingénieur qui a pour papa un chaman maléfique et pour compagnon un idiot. Alors, même si les difficultés, ça m'a sûrement. Ah oui, c'est un résumé. Donc, je les surmonte avec férocité. Je suis un soldat de la Légion de Fer, ma troupe et ma famille. Je mourrai pour eux, surtout pour Dinky, mon partenaire. On raconte que mon père était un chaman maléfique. Je dois mettre un terme à cette réputation, quoi qu'il en coûte, pardon. Je suis ingénieur et vous ne me surprendrez jamais sans mes lunettes œil de lynx à portée de main. Ceci est mon histoire et je dois signer. Alors, on va faire quelque chose de très intéressant. Je pense que ce sera une première pour une vidéo YouTube. On va faire un Stropole. Et donc, vous aurez le choix entre trois noms. Donc, soit Northwest, en hommage à Kim et Kanye. Soit Facebook, en hommage à la révolution en Égypte, après laquelle des parents avaient nommé leur enfant Facebook. Ou bien alors, le nom d'une étoile au hasard, qui sera sans doute Danatar. Donc, vous avez 5 minutes pour percuter que, vu que c'est YouTube, on peut pas faire de Stropole et que du coup je vais l'appeler Danatar, évidemment. Voilà! Oh non! Danatar est déjà pris, sans doute par moi en plus. Comment on va l'appeler? Akenor, alors, Akenor. Qui est également une petite étoile située très loin dans la galaxie. Alors, oui, pardon, j'enlève le curseur. Mince. Dans ce monde de combat incessant, je suis la plus mortelle de toutes les armes. N'affecte aucune autre qualité que le poing serré de ma légion. Avec nos machines de mort, nous avons tué nos dieux. C'est ballot quand même. Je me permets, hein. Nous avons reconquis la terre d'Ascalon. Et avons planté les bannières de la victoire sur les tombes de nos ennemis. Mais si nous hésitons, alors tout pourrait nous échapper. La victoire à tout prix. Le cri de guerre de la Légion de Fer résonne dans le râle des engrenages et le bruit des engins de siège. Je sers la Légion de Fer. Je construis le futur. Je forge les armes de la suprématie Char. J'ai gagné le respect de mes camarades et j'ai forgé des alliances sur lesquelles je peux compter. Ma légion privilégie les solutions innovantes, l'efficacité. Comme notre acier, nous ne finirons jamais. Il y a des siècles, les humains ont volé Ascalon à la Légion de Fer. Ils ont payé ce crime de leur sang, mais les usurpateurs ont continué à combattre même dans la mort. Aujourd'hui, les armées de la Citadelle Noire vont attaquer les fantômes qui rongent le territoire de la Légion de Fer. J'ai été appelé en renfort sur le rempart. Que la Légion des Cendres frappe des ombres. Que la Légion sanglante se sacrifie. Je fais partie de la machine. Ceci
est mon histoire. Bon, bah, c'est une jolie présentation. C'est quand même un jeu qui est sacrément beau. Et je ne me lasse jamais de voir les cinématiques de début. Parce que c'est très agréable. Les graphismes sont super. Le style graphique également. Qui est très très sympa. Et puis là, on en a en gros pour une éternité pour que ça charge. Parce que mon ordinateur est très lent. Et puis j'ai l'impression d'avoir droppé pas mal de frames, même si mon XSplit m'informe que pas du tout. J'ai un doute sur la véracité de ses propos. Voilà. La musique est sympa aussi, hein. Très agréable. Mais tout le long du jeu, ça, c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Ah, nous sommes arrivés! Alors, absolument. Ça, je sais. Alors, le problème, c'est que on drop des frames. Alors, chérie, ça va couper, hein.